En effet, avec les quatre as, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur et l'as de pique, nous allons perdre chacun des as dans le jeu. Tout d'abord, l'as de trèfle. Une petite coupe. Ensuite, l'as de carreau. Suivi de l'as de cœur. Et enfin, pour finir, l'as de pique. Nous allons également mélanger le jeu. Comme ceci. Et nous allons le couper également. Nous allons maintenant tenter de retrouver les as simplement en les éplant. On va commencer par l'as de pique. Une petite coupe, comme ceci. Et regardez bien. AS pour as. DE pour 2. P, I, Q, U. Et sur le E, vous avez l'as de pique. On va tenter de le refaire avec l'as de cœur. Vous êtes prêts? A, S, D, E, C, O, E, U. Et sur le R, as de cœur. Il ne reste plus que l'as de trèfle et l'as de carreau. On va commencer par l'as de trèfle. A, S, D, E, T, R, E, F, L, E. Et pour finir, l'as de carreau. Regardez. A, S, D, E, C, A, R, R, E, A. Oups. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire. Le 10 de pique, en fait, est une carte indicatrice. Elle indique que si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes, la 10e carte est bien l'as de carreau.